Je suis accusé à tort. Tout le monde me connaît dans cette institution. J'ai une très bonne réputation et une très bonne performance. Alors je n'accepterai pas n'importe quoi venant de n'importe qui concernant mes étudiants. Je mets en défi n'importe qui apporte toutes sortes de preuves. Je dis toutes sortes de preuves. N'importe qui. Docteur Magnus, on vient de l'entendre. Avez-vous une sorte de preuve pour soutenir votre argument? J'espère que vous tous savez très bien que des relations amoureuses avec des étudiants, sous toutes ses formes, sont strictement interdites dans cette école. Mais monsieur, vous nous excusez-moi, docteur Magnus, je suis en train de parler. Ceci doit être la première et la dernière fois qu'on me donne ce genre de rapport. La prochaine fois que ceci va se répéter, je vais personnellement vous amener tous à la commission disciplinaire des enseignants. Vous savez tous ce que cela veut dire. Docteur Magnus. Oui. Le chef du département nous gâte vraiment des choses dans ce département. Est-ce qu'il essaie de nous prouver qu'il est le seul chrétien dans cette université? Oublie l'homme là. Il veut que nous vivions aux dépens de nos salaires seuls. Est-ce que cela est possible? Même le vice-chancelier fait aussi des affaires louches. Bien sûr. Cet homme doit partir. Docteur. Je peux le faire partir. Vraiment? Oh oui. Je peux même saisir le Sénat pour le renvoyer. N'est-ce pas le docteur Will? Vraiment? Oui, mais sur une condition. Qui est? Que tu vas me soutenir à devenir le prochain chef du département quand il sera parti. Que l'action commence alors? C'est un deal. Monsieur le Président, en fait, nous avons des preuves irréfutables pour prouver que le docteur Oumet ne stocke pas seulement de l'argent aux étudiants, mais demande aussi aux filles du sexe en échange d'un autre. S'il vous plaît, monsieur le président, puis-je faire entrer mes témoins? Oui, d'accord. Amenez-le. Merci beaucoup. Désolé, président, suis-je permis de procéder? Oui, allez-y. Merci. Docteur Oumet, connaissez-vous cette demoiselle? Non, pas du tout. Menteur, il est en train de mentir. Juste le mois passé, j'étais allée à son bureau déposer mon devoir. Il m'avait demandé le sexe. Et comme j'avais refusé, il voulait me prendre par force. Il a fait aussi autant pour moi. Il m'a demandé le sexe et l'argent. Arrêtez-moi ça! Un grand mensonge! Je ne connais même pas ces filles! Je ne les ai jamais rencontrées! Il ment! Et pourquoi tu mens? Il ment! Tu es en train de mentir, c'est pas vrai! Tu es un menteur! Docteur Oumet, nous ne pouvons juste pas nous passer de cette preuve devant nous. Vous êtes de ce fait suspendu à durée indéterminée. Jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Magnus! Magnus! Y'a quoi? Magnus! Magnus! Je t'ai soutenu jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Et voilà que tu me tournes le dos en m'accusant pour des choses dont je ne sais rien à propos. J'ai toujours su que tu planifiais ça. Donc pendant tout ce temps, tu m'as montré ton sourire. Cependant, à côté, tu complétais pour prendre ma place. Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne sais pas ce dont vous parlez. Il paraît que madame est là pour vous voir. Magnus! Oui? Tu as impliqué ma femme? Jésus! Chérie,
c'est un complot. C'est pas vrai ça. Ça va se résoudre. Ça quel sera... complot? Dis-moi. Quel complot? Chérie, s'il te plaît. Quel complot? Chérie, c'est un complot. Quel complot? C'est un complot. Quel complot? Quel complot? C'est un complot. C'est un complot. Quel complot? Dis-moi, quel complot? Chérie, ça sera résolu. Toi, hypocrite, quoi, de chipon. Votre anneau. Cochon. Cochon. C'est un complot. C'est un complot. C'est un complot, chérie. C'est un complot. Où est mon anneau? Donne-le-moi. Toi. Chérie, c'est un complot, chérie, s'il te plaît. Tu as vraiment joué ton rôle, ma chère. C'est vrai. Bien sûr. As-tu jamais pensé devenir une actrice? Non. Oh mon Dieu, tu excelleras. En fait, tu sais très bien ce que je veux. Que veux-tu? Je veux juste avoir une très bonne cotation dans mes études. C'est ce que je veux. Ne t'inquiète pas, tu seras bien récompensé. C'est vrai? Oui, je te l'assure. Merci, monsieur, merci. Oh non, attends. Peux-tu couper le monsieur et m'appeler bébé pendant ce petit moment que nous passons ensemble? C'est ce que tu veux. Bébé. Waouh, c'est bébé, vrai. Bébé. Oh, ma Dieu. Bébé? Monsieur. Combien de moyennes as-tu trouvé au cours de ta première année? 7. Juste 7? D'accord. Considère que c'est réglé. Vrai? Bien sûr. Oh, merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, est-ce que tu as des amis qui pourraient avoir le même problème? Peu d'entre elles. Ok, ça va. Merci, monsieur, merci. Ah, mon cher, comment ça va? C'est la vie? Je vais bien. C'est pas très cher. Vous avez besoin de syllabus? Mon cher. Ah mon frère, tu n'as pas de travail, tu n'as rien à faire, tu vois un syllabus. Je t'ai dit j'en ai besoin. Sécurité, il faut courir, ne cours pas! Mais regarde. Quel genre de jeu comme ça? Je n'aime pas ça. Regarde, sérieux, je n'aime pas ça. Gars, tu sais courir. Regarde comment tu courais. Je pense que tu devrais représenter notre école lors des prochains jeux universitaires. Mais sérieusement, tu n'as même pas encore fini ton enregistrement. Les cours n'ont même pas encore commencé. Et tu es ici en train de faire des affaires. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie ces débats. Oublie-le. Regarde, comme un bon gars né au Ghana, je m'en tape. Oh. Regarde, je saisis toute opportunité pour faire de l'argent. Tu m'entends? Tu parles toujours des affaires.
Pardon. Allons chercher quelque chose à manger. Mais tu sais courir. Tu sais courir. C'est par ici qu'on vend de la nourriture. Allons, on y va. On va t'arrêter. Moi, je te laisse et je m'en vais. Tu as décidé de t'acheter une coca et tu m'as apporté de l'eau. Pardon, pas d'argent. Gars, mec, est-ce que tu crois ce que je vois? Je ne crois pas en ça. Hein. Hey, mec. Alors tu as tort. Tu rates beaucoup de choses, oh. Elle me tue. Qu'est-ce que tu dis? Hé, hey, regarde. Tu as vu cette fille? Hein? Tu vois, elle est bien. Tu la vois, elle est très innocente. Et elle ne parle même pas. Elle me tue. Regarde. Va lui parler, non? Tu penses ainsi? Ah! Ne me dis pas que tu as peur de cette petite fille. Moi, avoir peur. Mec, ne dis plus jamais ça, oh. Si tu dis ça, je vais me mettre en colère. Moi, avoir peur. Mec, pourquoi tu dis tout ça, non? Mais pourquoi tu es ici en train de parler beaucoup? Regarde la fille là-bas, va lui parler. Hein? Que je le fasse maintenant? Non, fais ça. Ok. Tu sais ce qui va se passer? Il faut qu'on aille les attendre dehors. T'as l'idée, hein? Allons-y. T'es sûr que ça va marcher? Allons-y, en sortant, c'est bon, on va mieux allons-y. Parler. Mec. Elles sortent, elles arrivent. Elles arrivent. Mais regarde, bouge pas, ne les regarde pas. Regarde, si on les suit, elles vont tomber. Mec, Carissa. Regarde, elles s'en vont. Aïe, elles me regardent. Gars, c'est la seule opportunité, hein. Si cette fille va lui parler, va. T'es sûr? Va. Alors, je les suis. Va, il faut la suivre. Mec, elle me regarde. Va. Va. Elle s'en va. Va. Salut. Bonjour. Je m'appelle Tochuku Enoma. Je suis en classe de terminale et je fais la médecine. Mais aussi mes amis m'appellent Toskido. Donc tu peux m'appeler Toskido. Ravi de faire ta connaissance, Toskido. Le taxi est là, faut qu'on y aille. Bon, faut que j'aille maintenant. On part. Fais vite. Faisais-tu? Tu mourras célibataire dans cette école. Regarde, tu voulais que je fasse quoi? Est-ce que je l'ai dragué? Ta seule mission est d'avoir son numéro. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as échoué lamentablement. Et je te dis une chose. Une autre chance va se présenter. Crois-moi, j'y suis sûr. Quelle chance? Dans cette grande école, je doute. Que faisais-tu même? Il s'est même assis dans l'eau. Sérieux, les copines. Vous savez, si on échoue dans ce cours, ça va être chaud pour nous. Dites-moi, on vient demander un coup de main. C'est comment même? Aidez-nous. C'est qui? C'est ce cours-là qui te dérange? C'est ça même, non? Mais cela n'est pas une affaire de ta. Quand tu es face à un obstacle, tu dois trouver la bonne stratégie qui va t'aider à surmonter ces derniers. Telle que vous me voyez là, je suis prête à tout faire. Il n'y a rien. Franchement, je ne peux pas rester dans cette école, non?
Regardez, rien. Rien ne pourra me faire passer une année de plus dans cette école encore. Mon Achi, vous voulez qu'on trouve une solution aux difficultés que nous rencontrons à l'université, n'est-ce pas? Allez, calmez-vous. Je vais vous connecter. Ne vous en faites pas, mes copines. Oh, c'est ça. Tu as raison, ma chérie. Ça va aller. Je te jure. Fais vite, non. On n'a pas assez de temps. Où vas-tu avec ce grand sac? Oh mec, c'est les devoirs, non? Tu ne sais pas comment fonctionne le business? Gare, c'est notre premier cours dans cette école en tant qu'étudiant de première année. Pourquoi ne pas fixer tes histoires, tes affaires sur une autre fois? Il y a des fois où tu perds le pédale, mec. Nous sommes des garçons de la rue. Nous sommes des garçons de la rue, non? Comme tu veux, allons-y. Nous sommes même déjà en retard. Regarde des jolies filles un peu partout. Ah, mec, est-ce que tu sais que tes yeux sont comme des caméras? Gare, ces filles sont belles. Cette fille, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Celle-là, celle-là. Je pense qu'elles sont de ce département. Elles sont là pour les cours. Que se passe-t-il? Oh mec, je les connais. Oh mec, j'ai déconné. Que se passe-t-il? J'ai dit à cette fille que j'étais en année terminale. Je lui ai dit que j'étais en médecine. Ah ah, pourquoi tu peux faire une chose pareille? Mec, je ne sais pas. Gare, tu vois, ces filles sont trop belles. Chai. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ne savent pas qui je suis. À votre attention, je suis le docteur Magnus Oba. Je suis présentement le chef de votre département. Et je vais vous tenir dans l'unité spéciale intitulée « Introduction à la microbiologie ». Que veut dire la microbiologie? Voyez comment il me regarde, comme si j'étais tombé du ciel. C'était Antonio Valio qui, pour la première fois, a observé les micro-organismes en utilisant son propre microscope. Mais c'est quoi ça? Quoi? Regarde, poussez, poussez, poussez. Il y a de l'espace. Laissez-le s'asseoir. Tu vois ce que je te dis? Tu vois ce que je te dis? Vas-y, vas-y, il y a de l'espace. Oh, oui, ça c'est mieux. Ah, it was Anthony Lewinsky. Oh, désolé. De quoi parlons-nous? Microbiologie. La microbiologie. Monsieur. Le micro-organisme et la microbiologie. Bonjour. S'il te plaît, on s'est déjà rencontrés, pas vrai? Moi, non. Je disais, tu sais... Excuse-moi, je suis sûre qu'on s'est vraiment rencontrés. Ton nom est Tochikun, est-ce que... Jeune fille, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Ouais, essaie de regarder. La vraie? C'est de ça que je suis en train de parler. Oui, c'est ça. La même chose que tu fais, et tu dois le mettre au même endroit. Hé! Hey. Rocho. Tu as vu comment j'ai tout foutu en l'air avec cette fille? Eh mon Dieu! Qu'est-ce que tu me suggères de faire? Toskido, pardon. Je n'ai pas du temps pour résoudre tes problèmes enfantins. Sais-tu ce qui m'importe en ce moment? C'est comment me rendre en contact avec l'une de ces filles. Vraiment? Est-ce que tu as de la chance? Tu doutes de moi? Ah! Oublie cette chose. Aucune d'entre ces filles ne voudrait avoir d'histoire avec toi. Des filles à cette vie. Les filles, je sais ce que je dis. J'ai rencontré ce garçon hier, j'en suis vraiment sûre. Pourquoi est-ce qu'il le nie alors? Ah, ma chère, j'en ai aucune idée.
Vous savez, les filles, mon problème avec vous est que vous voulez vous conformer aussi avec le présent. Oh, pardon, excuse-moi. Écoute, Kitsch, je ne suis pas d'humeur pour écouter tes prédications. Tu ne me comprends pas. C'est pour ça que je vous avais toujours dit. Ça suffit. Ma chérie, quand tu vas me raconter ton histoire, cette fille, elle est folle. Tous les jours, les groupes de prière, c'est ce qu'elle est venue faire au campus. Pardon, est-ce qu'il faut que tu ramènes tout dans les groupes de prière, hein? Mais non, vous savez. Balance, il fallait voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Waouh, de quoi s'agit-il? Elle était venue en forme différente. Je pense qu'elles entourent des unités non validées. Est-ce que Mathilda en faisait partie? C'était Mathilda qui les dirigeait, non? Ça, c'est terrible, mon cher. Écoute, à un point, j'étais presque confus. Décider laquelle choisir me donne vraiment de la migraine. Waouh! Elles étaient tous comment? Bien habillées? Feu vert. Les filles, je crois que nous devons faire quelque chose. Nous devons faire un effort au cours pour avoir des très bons points. Je veux dire des très bons points. M'avez-vous compris? Bien, oui. Désolée les filles, excusez-moi. Mais ma copine, tu dis ça déjà depuis la semaine passée, non? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on doit vraiment faire au juste? Parce que depuis que tu en parles, je comprends toujours pas. Cette question m'est adressée. Et alors? Je demande seulement parce que je veux savoir. J'espère bien. Mais finis ton poulet, non? Est-ce ton poulet? Tu néglige ça. Et mon Dieu. Ce que tu as là ne te suffit pas, tu veux prendre le mien. Tu t'as pas sans faut dire. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Peut-être qu'elle le garde pour sa fête de Noël. C'est quoi le problème? Ça se voit. Tu peux le dire encore? Ok, les filles, s'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Le problème est que je me demande où est-ce que nous allons rencontrer ces gens. Un endroit exotique. Est-ce que vous me comprenez? Moi, je pense qu'on peut même les inviter à l'hôtel. Mon cher, voici l'opportunité pour la mater. Calme-toi. Va la mater. Tu es trop agité. Écoute, je suis un professionnel dans ce jeu. Tu vois, dans ce jeu, le timing est tout. Viens, 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 viens. Toskido. Hein? Il faut me sentir, j'ai quelle odeur? Comme les goussets que tu as mis cet après-midi. Va là-bas. Allez mec. Dubaski. J'ai dormi profondément. Tu penses que je ne voulais pas venir à ta fête? J'étais emportée par le sommeil. Oui, je suis désolée, ok? Salut. Oh, mon chéri, je te rappelle après, d'accord? Je m'appelle Rocho, mais mes amis m'appellent Tubaski. Si ça ne te dérange pas, je me demande si nous pouvons aller quelque part pour se relaxer, pour se détendre. Non. Et qu'est-ce qui te fait rire? Hey, Tubaski! Mec, de toute ma vie, aucune fille ne m'a jamais fait ça. Je jure. Pardon, oublie ça. Écoute, laisse-moi te dire. Je pourrais avoir perdu cette bataille, mais la guerre continue. Je vais toujours la voir. Ouais. Tubaski. Hey, la fille m'a zappé, hein? Tubaski. Pardon, pardon, que nous va-t-il? Tubaski. Où vas-tu? On a cours. Ah. Ce n'est pas de ta faute, idiot que tu es. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, je te dirai plus tard. Dites-moi, c'est comment? Comme j'étais en train de dire, voyez ces balles qui passent à l'hôtel Anger tous les samedis. J'ai pensé qu'on pouvait aller nager et le faire divertir. Attendez, attendez, je ne comprends pas.
Est-ce que vous êtes en train de suggérer qu'on aille séduire nos profs pour qu'ils couchent avec nous, comme ça on va avoir de meilleures cotes? Je ne comprends pas là. Oui ma chérie, as-tu une autre option? Je t'écoute, vas-y. J'en ai pas. Tu n'as qu'à la fermer. Mais Tina, je ne comprends pas. Tais-toi! Ne cherche pas à gâcher notre soirée. Si je ne veux pas, laisse. Qui t'a forcé? Écoutez, hein, si ça ne dépendait que de moi, je passerais tout mon temps là-bas à la piscine. Toi, au moins, tu comprends. Pour aller me laver, je ne lâcherai pas haut. Allez, babe, tape 5. Donc, toi, tu veux aller baiser? Laisse-moi tranquille. Qui veux-tu dire par baiser? Ça, c'est ce qu'on appelle l'échange. Tu donnes ce que tu as au professeur et puis tu as 2 points. Ça, c'est comme dans le business, l'échange de biens et de services, tu vois. Ce n'est pas le baiser. Mec, qu'est-ce que tu fais? Je fais des recherches sur comment nager. Tu veux aller à la piscine? Gars, je ne t'ai pas dit que ces filles vont à Golden Valley aujourd'hui pour nager. Donc, je vais y aller préparer. Donc, c'est ça pour toi, la meilleure façon de l'aborder. Regarde, tu sais quoi? Je n'ai pas de temps pour ça. A plus. Purité, je sais de quoi je te parle. Il n'y a pas d'autre moyen pour réussir sur ce campus. Il faut que tu connaisses des gens qui pèsent pour que tu montes de promotion. Jane, c'est ce que je dis. Jane, tu dis ça parce que tu es paresseuse. Tu es beaucoup trop paresseuse pour réviser tes notes. Là, tu ne fais que donner des excuses. Ah, pardon, ce ne sont pas des excuses. Écoute, hein, j'ai parlé avec ceux qui étaient avant nous. Et ils m'ont dit la même chose. C'est qui? Attends, je vais voir qui est à la porte. Oui, bon après-midi. Salut. Bonjour. Je pense que je vais devoir vous laisser. Ça va? Non, reste, tu vas aller où? Salut. Salut. Beauté. J'ai été menti. Et je suis là pour m'excuser. Concernant lequel des mensonges? Parce que tu m'as dit un premier mensonge, ensuite tu es revenu sur ce même mensonge. Alors, tu parles duquel? J'étais juste en train d'essayer de faire une bonne première impression. Et tu penses que tu aurais réussi à le faire en me mentant? Non. Ce n'est pas ça. Raison pour laquelle je suis là pour m'excuser. Je suis vraiment désolé. Ça va. Excuse acceptée. Merci. Je me demandais si je pouvais t'inviter à dîner quelque part, n'importe quand. Non. Je ne veux pas avoir de relation en ce moment-ci. Mais je me suis excusée. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que tu m'invites à dîner avec toi? Écoute, je suis sur ce campus pour me focaliser sur mes études. C'est ça mon but et rien d'autre m'intéresse. Non, moi je suis Tochukwu. Un vrai bad boy, né au Ghana. As-tu encore plus précisément? Regardez ça où. Et c'est moi que tu rejettes. Oh mec, on l'a pas démis de ses fonctions. Soyons réalistes. Il le sera. N'est-ce pas que c'est nous qui gérons ça? Mais est-ce que tu l'as démis de ses fonctions? Tu es sûr qu'il ne reviendra pas? Non, il ne reviendra pas. Tu sais que cela n'est pas substantiel. Je sais de quoi je parle. Ce mec va retourner, je te le dis. The channel est forever. Ceci, voilà les filles. Ceci est un explosif. En fait, c'est comme ça qu'elle vient dans ma classe. En forme, taille et couleur différentes, me confondant en classe. Mais franchement parlant, celle qui est habillée en rose, elle me donne la chair des poules. toi l'homme là. Vous ne voyez pas? Mon Dieu. Waouh. Oh, Gidigo, Gidigo, Gadago, Gidigo, Gadago.
Wow. Va prendre. Vas-y. Regarde-toi. Oui, joue. Oui, vas-y encore. Ouais. Oui. Prends-moi. Prends ça. Arrête, pourquoi tu fais ça? Hey. Ouais, tu te débrouilles bien. Wow. Vas-y, 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 vas-y. Bouge. Tu veux nager? Oui, je veux venir. Allez, viens. Que je vienne? Yeah. Tu peux nager? Okay. Nager? Oh, oui, nageons. Sûr. Wow. Allons. Oui. Allez. C'est bon. Allez-y. Allons, Marc. Oui. Ouais. Go. Allez-y. Bravo. Allez, go, 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 go. Purity, est-ce que t'as perdu le sens de la morale? Emmener un garçon jusque dans cette maison? Ok, pour commencer, Nkechi, je n'ai pas invité ce garçon. Et même si je l'avais fait, il n'y a absolument aucun mal dans ça. Il n'y a aucun mal dans ça? Purity, tu t'es perdu. Tu n'es plus la Purity que j'ai connue au lycée. Tu as laissé ce campus te changer, Purity. Ok, très bien. Enki, je trouve que cette histoire-là de naître de nouveau, tu l'as emmenée à un niveau très ridicule. À tout moment, tu juges chaque fait et geste des gens comme étant des péchés. C'est pas ça la chrétienté. Ah, Purity, ça c'est du pur blasphème. Que Dieu puisse prendre pitié de toi. Hey, que Dieu ait pitié de toi. Purity, que Dieu ait pitié de toi. Ne t'ai-je pas dit? Je t'avais dit que tu allais me noyer. Tu n'as pas voulu me croire, tu vois? Tu vois comment je respire? Mec, ne meurs pas ici. Ah, s'il te plaît. Peux-tu simplement m'appeler bébé pendant ce petit moment que nous allons passer ensemble? Parce que c'est très essentiel et important pour moi, bébé. Bébé? C'est maintenant que tu parles. Appelle-moi simplement bébé. Ok, bébé. Oui. Vas-tu supporter nous deux? Hé, ne considère pas le corps, mais plutôt le moteur. Bien que j'ai 60 ans, mais mon moteur travaille comme si j'avais 25 ans. Oh oui. Très bien, monsieur. Bébé, ouais. Appelle-moi simplement bébé. Merci. Tu sais, moi j'ai manqué quelques examens. Oh non, pour vous, considérez que tous vos problèmes sont résolus. Maintenant, écoutez, après vos examens, je vous amènerai dans un centre secret où vous allez reprendre toutes vos matières. Oh, bébé! Hey, bébé! Ouais! Bébé! Oh. Tu as dit que tu étais malade. Dieu merci, t'es pas mort. Que je te conseille? Oublie ces filles. Oublie-le. Hein? Oublier qui? Toskido, tu ne sais pas qui je suis? C'est moi, Rojo, alias Chugbaski. Je n'attends pas, je ne perds pas d'espoir. Même si c'est une vilaine, j'en ai besoin. Comment? T'avais une fois entendu parler de Cesse pas pitié? Pitié quoi? Ah,
Je suis désolée. Je n'aurais pas dû te demander de faire ça. Ça va, ça va. Au moins, tu m'as prouvé que tu peux demander pardon. C'est bien. Gars, c'est comme ça que ça s'est passé? Écoute, mon frère, tu penses que c'est comme ça que cela s'est terminé même? Es-tu sérieux? Comme ça s'est terminé comment? Ah, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te demander ça. Ça va, ça va. Au moins, tu m'as prouvé que tu peux demander pardon. C'est bien. T'as giflé. Gars, je te dis, hein, ça gifle a sonné comme le bruit d'un sac de ciment tombé. Boy. Immédiatement, tout est devenu noir et tu ne vois rien que des étoiles. Désolé, désolé. Alors, qu'on se le dise maintenant, avec la lyre comprise les choses, tu vas abandonner, n'est-ce pas? Maintenant, tu as compris que la fille voulait dire qu'elle n'a rien à voir avec toi. N'abandonne pas. Mec, tu ne vas pas abandonner? Toskido. Donne-moi ton foulard rouge là. Pourquoi? Donne-moi s'il te plaît, n'argumente pas. Mec, tu vas bien? Gars, j'arrive. Salut, jolie demoiselle. Salut. Je m'appelle Toubaski. Toubaski? Ouais, on m'a donné ce nom à cause de mon mauvais caractère. Donc c'est comme ça que tu es? C'est oui. Vrai? Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Oh, ceci? Je l'ai, oui, au coup d'une bagarre. Mais crois-moi, le gars qui m'a fait ça n'est plus en vie pour raconter l'histoire. Donc tu te bats souvent? Oui. Diriger les dragons rouges, la bagarre est inévitable. C'est vrai? Donc tu veux dire qu'il y a un dragon dans cette université? Oui. Et voilà mon second là-bas. Qui attend de descendre, n'importe qui veut m'embêter. Ça c'est bien. Alors, veux-tu en savoir plus sur moi? Oui, bien sûr. Et les gars, qui êtes-vous? Moi, je suis Rocho, alias Toubaski. Qui es-tu? Je ne demande pas ton nom. J'ai dit qui es-tu? Mon pote, c'est comme si ces gens s'en foutent. Donc, tel que tu es grand là, tu ne sais pas reconnaître le numéro 1 des dragons? Si c'est toi, le leader des dragons, alors qui suis-je, moi? Seul qui peut! Attrapez-les! Vite! Allez, vite! Attrapez-les! C'est comme ils sont partis. Tu sais, est-ce que tu sais que t'es un fauteur de troubles?
Tu sais que si ce problème t'est arrivé, c'est à cause de toi. Tu sais que c'est à cause de toi. Gaga, ne dis plus ça. Ne dis plus ça. C'est toi qui me pousse à faire tout ceci. C'est toi qui me défie. Tout est de ta faute. Mais ils sont partis, là. On y va, s'il te plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Monsieur Mafou a dit de remettre les devoirs aujourd'hui avant 16h. Et ça doit être rendu individuellement dans son bureau. Ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu. Alors, le devoir est où? Et attends, est-ce que tu as l'argent? Oui, j'ai l'argent. Allez, donne d'abord l'argent. Tu ne l'as pas fait, hein? Non, je ne l'ai pas fait. Oh, je l'ai, c'est pas un problème, je l'ai ici. Hein? Et c'est à combien? C'est 200 naira. Descends. D'accord. Ok, man, prends. Ok, que je te donne tous les deux. Tu es sûr que c'est oui, ça? C'est exact. C'est très complet. Je t'assure. Quelquefois, je suis fatigué de tout ceci. Je veux quelque chose de plus souple. Et de plus innocent. Et je sais qu'on peut en trouver parmi les étudiants de la première année. En tout cas, je leur ai demandé de passer et ramasser leurs dossiers individuellement. Je dois les suivre pour les ramener plus proche de moi. Waouh, mon chef, tu es fort, hein? En fait, dans ce business, tu es un super génie. En fait, nous allons te donner un nouveau titre. Et ce titre commence à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es devenu un maréchal dans ce jeu. En fait, je vais rentrer à la maison tout de suite. Je vais composer mon propre devoir avec mes propres modifications. Le ramassage commence à 5 heures le soir. Parfait. Tu ne fais pas que mentir, mais tu triches aussi. Tu vends des devoirs déjà faits à des étudiants paresseux pendant que des étudiants comme moi travaillent très dur pour faire seuls leurs devoirs. C'est comme ça que ça se fait ici et puis... Quel est ton nom? Purity, monsieur. Pancré, to do non's purity. Purity. Bien. Tu n'as pas réussi ton devoir. Monsieur, comment? Je ne comprends pas. Vous n'avez même pas regardé le devoir. Purity. Ceci n'est pas quelque chose que je peux t'expliquer ici maintenant. Hein? Excuse-moi d'utiliser du papier pour te l'écrire afin que tu ne l'oublies pas. Parce qu'on ne peut pas régler ça ici, tu vois. Rencontre-moi à l'hôtel Golden Valley. Hein? Dans la salle, à l'heure là, demain, tu viens me voir. C'est très important. Et là-bas, je t'expliquerai tout. Je suis navré, monsieur, mais je ne comprends pas. Pourquoi je dois vous rencontrer dans une chambre d'hôtel? Viens seulement. Mais demain, c'est le week-end, non? Viens seulement, ne t'en fais pas, je vais t'expliquer tout. Je t'expliquerai tout. It's a dangerous infection. Cheating in the system. You find it everywhere. Education is the key, so they say. But this is not how it's supposed to be. No. Girl, you know that you got what I want. I know. And I got what you need. I know. If you know what I mean, everything's gonna be just fine. Yeah. And girl, you know that you got what I want. I know. And I got what you need. I know. If you know what I mean, everything's gonna be alright. Yeah. Oui, entrez, la porte est ouverte. Ma purichance, purity. Viens me rejoindre sous le duvet. Monsieur, je suis venu ici parce que vous m'aviez dit que vous vouliez m'expliquer quelque chose. Oui, c'est vrai, mais je te l'expliquerai mieux sous le duvet.
Viens, je te l'expliquerai mieux. Viens, monsieur, viens, chérie. Mais monsieur, viens. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Mais pourquoi cette question? Écoute, 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 écoute. Tu vois, tu dois être prête pour jouer au ballon avec moi. Oh, tu penses que tu es intelligente? L'intelligence seule ne peut t'amener nulle part dans cette institution. Tu dois être aussi sage. Je ne suis pas sûre de comprendre de quoi est-ce que vous êtes en train de parler, monsieur. Écoute-moi, chérie. Tu dois jouer au ballon avec moi. Je te donne l'opportunité de réussir avec mention excellent. Si tu couches avec moi. Jésus-Christ, monsieur! Vous êtes aussi âgé que mon père. Ne me dis pas ça, je ne suis pas ton père. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai besoin de votre aide pour passer de classe? Parce que je décide de qui a quoi et qui n'a pas quoi dans cette institution. C'est moi qui dirige l'institution. Maintenant, écoute-moi bien. Je peux te faire passer avec mention excellent si tu couches avec moi. Ou bien, je peux te retenir pour toujours dans cette institution et tu ne réussiras pas. Que se passera-t-il? Je ne coucherai pas avec vous. Ni maintenant, ni dans le futur. Je ne le ferai pas, monsieur. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Hein? Comment oses-tu? Tu vas où? Tu penses que je vais te forcer? Je ne force pas les femmes. Donc, tu m'as fait perdre mon temps. J'ai perdu mon temps pour venir ici et chercher cette chambre. Sais-tu combien coûte une chambre d'hôtel? Je suis venu ici à cause de toi. J'ai perdu mon temps et mon argent. Toi, je ne vais pas te supplier. Je ne te supplierai pas. Tu viendras me chercher. Tu penses mais quoi? Monsieur, ne m'appelle pas monsieur. Pourquoi m'appelles-tu monsieur? Toi, je sais comment avoir les gens comme toi. J'avais eu des gens comme toi avant. Toi, je vous en prie, toi monsieur, tu es petite. Tu viendras me chercher. Monsieur, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, je ne peux pas croire ce que tu viens de faire. Tu m'as fait perdre mon temps et mon argent et tu m'appelles monsieur. Toi, tu es petite. Tu ne connais encore rien. Oh toi, tu viendras me chercher. Toi, tu viendras monsieur, me supplier. S'il vous plaît, s'il vous plaît monsieur, pourquoi? Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Écoute, gars, il y a cette fille. À chaque fois qu'elle veut parler, elle fait comme ça. Gaga. Ce n'est pas la voiture du chef du département? C'est lui, oh. Oh mon Dieu. Regarde. Ah, Purity. Regarde. Attends-moi, j'arrive. Attends. Demoiselle. Pute, c'est toi que j'appelle. Hey. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Ha! Purity. Je peux bien le voir. En fait, tu as été purifié. Hey, Purity. Qui aurait cru qu'une fille comme toi pouvait être vue dans un hôtel avec les Chudis? Je suis... Toi, et tu es une pute. Juste regarde-moi. Un fresh boy comme moi. Je suis venu te voir et je te demandais juste une soirée. Tu as refusé. Tu as scandé ta virginité devant moi. Mais disons, moi je suis venu étudier, C'est ici que tu es venu étudier avec les étudiants à l'hôtel. Oh, je suis vraiment désolé de toi. Oh, waouh. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé là-bas à l'intérieur. Alors ne te permets même pas de me juger, n'essaye pas. Purity. C'est une blague, oh. Purity, c'est une blague que je faisais, oh. Salut. Bon après-midi. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour toi? Je voudrais te parler de quelque chose. C'est très urgent. Tu veux dire maintenant? Tu es sûre? Maintenant. Ok, s'il te plaît, sois rapide, je dois partir. Ok, tu sais, je ne sais pas si je vais un peu très loin. Vraiment désolée. Mais okay. Je sais bien qu'il n'est pas seulement question de réviser ou de participer au cours. Il faut aussi connaître certaines personnes pour passer de classe. Et je sais que toi, tu as des connexions. Hein? Ah, je ne sais pas si tu peux accepter de me connecter, s'il te plaît. Tu sais quoi? J'apprécie ton courage. Et tu es trop jeune. J'aimerais te poser une question.
Es-tu sûr que tu peux faire n'importe quoi pour avoir des bons résultats dans cette université? Ah, je peux faire n'importe quoi pour obtenir de bons résultats. N'importe quoi? N'importe quoi. Pas de problème. Est-ce que c'est un oui? Oh, 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 merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis reconnaissante, merci. Oh, merci. Oh, oh, oh. Grand merci. Somebody need to stop them. It's a dangerous infection. Allô, oui, Mathilda. Salut, bébé. Oh oui, je suis à l'écoute. Comment vas-tu? Oui, ça va, je veux bien. Bébé, devine quoi? J'ai une surprise pour toi cette nuit. Une très belle surprise. Tu vas vraiment aimer. Es-tu sérieuse? Alors, je vais commencer par faire les arrangements. Oui, elle est jeune, belle et elle a une très belle taille, je te jure. Oh, Mathilda, écoute, tu vas être légitimement récompensée. Ok, bébé, à plus tard. Bye. Ma chérie Mathilda, bye. What is happening in our schools every year? There's corruption everywhere, yeah. Nothing, there's corruption everywhere, yeah, yeah. Girl, you know that you got what I want. Je t'ai cherché partout. S'il te plaît, je ne veux pas te parler. Tout ce que je veux, c'est de rester seule, s'il te plaît. Purity, je suis vraiment désolé de la façon dont j'ai réagi hier avec mes jugements et de la manière dont je t'ai jugé sans pourtant t'écouter. Hein? Regarde, tout ce que tu es en train de traverser, tu peux le partager avec moi. Comme je l'ai dit, je ne veux parler à personne. J'ai juste besoin d'espace. Laisse-moi. Je sais vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et n'oublie pas qu'un problème partagé est à moitié résolu. Ok, quoi que tu sois en train de traverser, tu peux le partager avec moi. Je t'assure, je peux t'aider. Le doyen a dit qu'il veut coucher avec moi et que il peut rendre mon parcours horrible si je refusais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas vers qui me tourner sur ce campus. Je veux... Le doyen. Est-ce les raisons pour lesquelles je paierai hier? Gare. C'est comme tu ne veux pas être diplômé dans cette école, hein. Vaut mieux de laisser tomber cette affaire, hein. Je ne peux pas. Je ne vais pas rester là suivre ce vieux homme. Détruire la vie de celle que j'aime. Je ne peux pas. Alors, que comptes-tu faire? Regarde, on va aborder ces problèmes plus haut. Je vais dire, même au recteur, s'il le faudra. Signaler à qui? Quelle preuve as-tu en main? Regarde, je m'en fiche. On doit faire quelque chose. Ça va être génial. Jane, où vas-tu à 7h de la nuit? Je vais à la fête d'anniversaire d'une amie. Je vais être en retard. Nawao, c'est quelle amie dont je ne connais pas le nom comme ça? Ma chérie, tu ne connais quand même pas le nom de toutes mes amies. Ah, oh, pardon. Reste concentrée et lis. Hein? Alors ma chérie, nous sommes ici. Va juste à l'intérieur et fais ton travail parfaitement. Et crois-moi, ta réussite est vraiment garantie. Ok? Ok. Alors fais un bon boulot, ne perds pas mon temps. Vas-y. Ok. Oh mec, je suis là. Je suis juste un peu fatigué. Alors vas-y. Bye. Ouais, fatigue. Ouais, on est juste sorti avec deux amis pour se déstresser. Oh mec, je vais te rappeler. Je te rappelle. Hey, ça ce n'est pas Jane? Donc c'est comme ça qu'elle marche? Donc c'est comme ça qu'elle marche, hein? Hey, waouh! Ah, elle me tue.
Jane! Qui est là? Monsieur, c'est Jane. Entre, Jane. Bonsoir, monsieur. Appelle-moi simplement bébé. Spreading like a virus. Somebody need to stop them. It's a dangerous. Alors les filles, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment les filles, vous n'êtes pas du tout encourageantes. Des fois, je trouve que je ne suis pas en bonne compagnie. Nos examens commencent demain et aucune de vous ne relit ses notes. Ketchy, tu fais quoi? Tu es en train de lire la Bible. Est-ce que les questions viendront de là? Purity, tu n'es vraiment pas spirituelle. Parce que si tu l'étais, tu saurais que l'Éternel combat pour nous. Écoute, hein, c'est mon pasteur lui-même qui m'a dit de lire certains versets et que l'Esprit Saint lui-même me communiquerait les réponses pendant l'examen. Et c'est ça que je suis en train de faire. Elke, tu trouves à quel point t'es stupide quand on t'entend parler maintenant? Jane, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, non? Tu es sur ce téléphone, ça fait déjà plus de 4 heures. Hein? Oh, désolée. J'ai mal de ce qui me regarde. Ah. Toskido, s'il te plaît, où se trouvent mes chaussures? Mec, je vérifie les notes. N'oublie pas ton gars dans la salle des amis, hein. Ne m'oublie pas, oh. Je suis derrière toi, oh. Regarde, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, tu sais comment on fait. Je serai là pour toi, mec. L'heure va très vite. Mec! Saint-Esprit, je t'en prie, n'abandonne pas ta fille, non? Je t'en prie, non? Viens m'inspirer, je t'en prie, hein, Saint-Esprit. Ne viens pas me voir dans mon bureau, tu ne réussiras pas. Ah.
Il vous reste 10 minutes. Hein? 10 minutes? Tu veux dire qu'il t'a fait ça? Ouais. Cet homme est un bouc éhonté. Je dois le dénoncer aux autorités. Tu ne penses pas que ce serait inutile? J'ai l'impression qu'ils sont tous complices. Je m'en tape. Quelque chose doit être fait. Continue de faire tes examens et lis. Je vais parler à mon oncle concernant le point des examens. Vraiment? Ouais. Merci. Je t'en prie. There's corruption everywhere, yeah, yeah. To get something, you give something, nothing really goes for nothing. There's corruption everywhere, yeah, yeah. Girl, you know that you got what I want, and I got what you need. If you know what I mean, everything's gonna be just fine. Girl, you know that you got what I want, and I got what you need. If you know what I mean, everything's gonna be alright. Yeah. Corruption in the system, spreading like a virus. Somebody need to stop them, it's a dangerous infection. Cheating in the system, you find it everywhere. Salut ma chérie. Une autre fête d'anniversaire, je parie. Il est où ton problème? C'est comme si ces jours-ci tu surveilles tous mes faits et gestes. Sérieusement Jane, je n'arrive plus à te comprendre ces jours-ci. Je veux dire, c'est à peine si tu touches à tes notes, mais tu es la première à déposer ta feuille d'examen. Oh. Et dis-moi alors, et pour la perruque que tu avais donnée à... Pardon, Spiriti, mêle-toi de tes affaires. Quel est ton problème? Tu ne lis plus tes notes? Ah, c'est quoi ça? Mon cher, tu n'as pas de preuves. On va faire comment? Je ne peux rien. Mais monsieur, comme le responsable des études, vous pouvez sûrement faire quelque chose. Non, non, je suis désolé, je ne peux rien. Je suis désolé. Mais... monsieur... Ils veulent des preuves. Mais je ne sais même pas comment les avoir. Ça va aller. Au moins, tu as fait tout ce que tu pouvais. Et d'ailleurs, je ne le méritais même pas. Vu comment dans le passé, je t'ai traité. Donc, ça va aller. Non, ne t'en fais pas. Ça va aller. Je pense que nous avons une dernière carte à jouer. Vraiment? Ouais. Avant notre admission, souviens-toi que l'ancien doyen a été accusé de... d'abus sexuels sur les étudiantes, il demandait l'argent. De toute évidence, il a été accusé à tort. Je pense que je dois aller le voir. Quoi? C'est juste... Non, fais pas attention, ce n'est pas important. Non, parle-moi. C'est mon amie, Jane. Elle se comporte de manière très étrange ces temps-ci. Elle rentre très tard, elle ne prend pas le temps de réviser. Et pourtant, c'est elle qui dépose sa feuille au premier pendant l'examen. Moi... Purity, ceci peut être un choc pour toi. Quoi? Mais... pour ton information, Jane va voir les doyens à l'hôtel. Tu es sérieux là? Ouais. Seigneur Jésus, Jane. J'arrive pas à y... Monsieur, vous n'avez aucune idée de ce qu'on vit. Cet homme est en train de molester de jeunes filles et il est même en train de les menacer de le faire échouer si elle ne couche pas avec lui. Est-ce que c'est vraiment juste? Donc, après m'avoir accusé de coucher avec les étudiantes, ils sont restés faire la même chose. Mais j'aurais bien voulu tuer ce serpent sur mon chemin. Mon ami, tu sais, ce monde est trop, trop méchant. Et il n'y a rien que je puisse faire. En tout cas, je ne peux pas t'aider dans ces coups-là. Je veux dire, tu sais que je suis suspendu par l'école. Et aussi
tu dois avoir de preuves concrètes. Je suis désolé. Je ne peux t'aider. Ah, mais... Oh, n'insiste pas. There's corruption everywhere, yeah, yeah. To get something, you give something. Nothing really goes for nothing. There's corruption everywhere, yeah, yeah. Girl, you know that you got what I want, and I got what you need. If you know what I mean, everything's gonna be just fine. Girl, you know that you got what I want, I know. And I got what you need, I know. If you know what I mean, everything's gonna be alright. Bonsoir ma copine. Wow. Purity, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? J'espère que tout va bien. Est-ce que toi ça va? Alors, c'est ce que tu fais chaque soir. Je ne comprends pas. Ah, ne fais pas comme si tu ne sais pas de quoi je suis en train de parler. Donc les fêtes dans lesquelles tu es supposé te rendre, c'est au fait avec le doyen dans sa chambre d'hôtel. Un homme marié, mais est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? Ha! C'était évident, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ce n'était pas normal que tu sois la première à déposer ta soeur. Ça suffit. Tu te prends pour ma mère ou quoi? Écoute, Purity. Dans la vie, tout est question de survie. Alors vis ta vie et laisse-moi vivre la mienne. Que ce soit la première et la dernière fois que tu me parles comme tu l'as fait. Ok, pas de problème. Je ne vais plus jamais dire un mot. Tant mieux pour toi si tu tiens la paix dans cette maison. Tu parles beaucoup trop. To get something, you give something. Nothing really goes for nothing. There's corruption everywhere, yeah, yeah. Girl, you know that you got what I want, I know. And I got what you need, I know. Gars, tu penses toujours au problème de pureté? Nick, je vais aider la fille. Je ne sais pas comment. Pourquoi? Pourquoi tu te gênes comme ça à cause du problème de cette fille? C'est parce que tu veux coucher avec elle, n'est-ce pas? Pour toi, tout tourne autour du sexe. Pour toi, c'est ça le sexe. Regarde, je l'aurais fait pour tout le monde. Je l'aurais fait même pour toi. Mais sérieusement, ce professeur est vraiment dérangeant. La seule façon de le faire, c'est d'impliquer la police. Mais à l'état actuel, je n'en ai pas de moyens. Es-tu sûr que c'est une affaire de police? Je t'assure, mec. C'est la seule option. Jane, ce que tu es en train de faire, c'est mal. C'est juste mal. Le doyen est un homme marié avec des enfants. Comment tu te sentirais si tu étais sa femme? Purity, si je l'ai dit une fois, je pourrais le dire des milliers de fois. Toute cette histoire, c'est une question de survie. Et moi, j'ai choisi mon camp. Mais c'est un camp très dangereux, mon ami. Écoute, Purity. La vérité est que il n'y a rien que tu puisses dire qui me fera changer d'avis. Très bien, alors. Je suis désolée pour tout ce qui pourrait t'arriver. C'est censé veut dire quoi? Rien du tout. Allô, monsieur. Oui, oui, je le vois. Oui, oui, je suis en train de le voir. Oui, je le vois. Oui, 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 monsieur. Oui, ils sont là, ils sont là. Oui, venez. Oui. Non, 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 venez maintenant. Non, 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 non. Monsieur, je suis en train de le voir. Je les ai en vie. Venez maintenant. Oui, ok, ok, ok. D'accord, au revoir, au revoir. Ouvrez cette brochette. Ouvrez la brochette quand je veux manger. Ah!
passe-moi la brochette. Qui est-ce? Il y a quoi? Que veut dire ceci? Sauf votre respect, monsieur, vous êtes une honte pour l'école et pour le métier d'enseignant. Officier, arrêtez-le. Arrêtez qui? Vous êtes en état d'arrestation pour abus de pouvoir au sein de l'université. Tout ce que vous direz ou ferez pourra être utilisé contre vous. Vous avez le droit de faire appel à un avocat. Si vous ne pouvez pas, l'État vous en trouvera un. Prends-les. Bougez. Bougez, bougez. Allons-y. Vous? Je suis désolée. Je suis désolée. Comment est-ce que t'as pu? Ma belle, je suis désolée. Je me sens très mal. Elle est mon amie. Mais quand même, Toskido, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Je t'en serai toujours reconnaissante. Waouh. Maintenant, tu m'appelles par mon surnom, n'est-ce pas? De toute façon, tu as dit que tu allais accepter de dîner avec moi. J'ai jamais dit ça. Mais je plaisante. Ça veut dire que tu as dit oui? Peut-être, ça veut dire peut-être. What is happening in our schools every year? There's corruption everywhere, yeah. To get something, you give something. Nothing really goes for nothing. There's corruption everywhere. What I want, and I got what you need. Got what you need. If you know what I mean, everything's gonna be alright. Yeah. Corruption in the system, spreading like a virus. Somebody need to stop them. It's a dangerous infection. Cheating in the system, you find it everywhere. Education is the key, so they say. But this is not how it's supposed to be. No, can't you